Aujourd'hui, grâce à l'exposition conçue et réalisée par l'association Sardinia Romana selon les canons de l'archéologie expérimentale, on va vous parler de la navigation en temps de paix et de guerre en Méditerranée, en vous racontant l'histoire des batailles navales et des navires de charge qui transportaient les marchandises d'un port à l'autre. En nous inspirant du modèle d'une trirème romaine, nous allons maintenant parler de l'un des plus importants navires de guerre qui naviguait dans la Méditerranée au cours du 3e siècle avant Jésus-Christ. La trirème était le navire de guerre le plus redoutable des marines grecques, carthaginoises et romaines. Elle était très rapide et, avec ses trois rangées de rames et environ 50 rameurs à chaque rangée, elle garantissait une agilité exceptionnelle dans les manœuvres et une vitesse d'impact très élevée. Les voiles, une grande et l'autre plus petite, pouvaient être réduites ou hissées à la hauteur maximale. La trirème romaine disposait de deux mâts, le principal à la verticale au centre et un second à l'avant et incliné. En ligne de bataille, le mât principal était retiré et le bateau était manœuvré uniquement par des rames. Le bois préféré pour la construction des trirèmes était le chêne ou le cèdre du Liban. Le chêne était utilisé, préférablement pour la partie immergée. Ces navires avaient souvent la proue décorée de deux gros yeux peints, ayant sans doute une valeur apotropaïque. Il y avait environ 230 hommes à bord, dont 170 rameurs. Les rameurs n'étaient pas des esclaves, mais des citoyens romains et surtout des auxiliaires recrutés parmi les habitants des provinces de l'Empire et formés pour ce travail. L'arme la plus redoutable de l'équipement des navires de guerre était le rostre, l'éperon en bronze situé à la proue, destiné aux manœuvres d'éperonnage. Il était placé au niveau de la ligne de flottaison afin d'infliger de grands dégâts à l'adversaire en lui brisant les rames sur un flanc et le couler. Cette technique n'offrait pas une certitude de victoire, car même l'éperonneur pouvait couler. Il était donc essentiel pour ce dernier d'effectuer une rapide marche arrière afin de se dégager du péril. Pour diminuer ce risque, un dispositif permettait au rostre de percer le navire de l'adversaire tout en évitant de trop pénétrer et de se coincer. C'était le proembolum qui servait de fin de course. Les Carthaginois avaient l'habitude de graver des inscriptions sur les rostres. Elles pouvaient être des invectives contre l'ennemi ou des invocations au dieu Baal. Les Romains, au contraire, beaucoup plus pragmatiques, gravaient le nom d'une divinité à côté des commanditaires du navire. Nous savons que certaines colonnes pouvaient avoir aussi des rostres. En fait, afin de célébrer la bataille de Mylae, le général Caius Duilius fit ériger des colonnes rostrales sur le forum ornées de proues rostrales. Ces caractéristiques étaient communes aux navires de guerre grecs, carthaginois et romains, mais ces derniers avaient inventé le corvus, un mot latin signifiant « corbeau ». L'historien grec Polybe le décrit comme une passerelle d'une dizaine de mètres de long et plus d'un mètre de large, articulée à la base et montée sur la proue pour aborder les navires ennemis. Cette sorte de pont-levis, en position verticale, déstabilisait le navire et fut ensuite remplacé par des passerelles plus légères. Sa première utilisation à la bataille de Mylae effraie les Carthaginois et permet aux Romains de remporter la victoire. Ils transformaient ainsi le combat naval en une bataille d'infanterie où ils étaient passés maîtres. Les guerres puniques avaient obligé les Romains à développer une flotte de combat, mais pour cela, ils préféraient utiliser des soci navales, c'est-à-dire leurs alliés. La bataille de Mylae était le deuxième affrontement naval opposant Romains et Carthaginois au large de Mylae sur la côte nord de la Sicile en 260 avant Jésus-Christ et fut la première grande victoire navale obtenue sur mer par Rome grâce au trirème. Ces navires ont été utilisés jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ lorsque de nouveaux types de navires de guerre ont été introduits. Merci de votre attention, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo.